Zo, dames en heren, een hele goede avond. Allemaal van harte welkom vanuit de perszaal. En dat voor de nabeschouwing van deze vierde thuiswedstrijd van STVV in de Jupiler Pro League. Mesdames en messieurs, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue dans la salle de presse pour l'évaluation du match. Na een woelige week mochten we vandaag de Zebras ontvangen. Voor het, allereerste, uh, voor het allereerste keer, dus ook een Waalse ploeg die we hier op bezoek kregen. De eerste wedstrijd ook voor het nieuwe trainersduo van STVV, Chris Loughlin Benny McCartney. Dans une uh, intense wedstrijd, werdet uiteindelijk 1-1. Benieuwt, dus, wat de coaches hiervan te zeggen hebben. Nous avons ici les entraîneurs pour une première réaction. On commence avec l'entraîneur de Charleroi. Bonsoir, monsieur Mazou. Uh, Quelle est votre analyse de ce match ben, Nous partons évidemment euh, déçus quand, quand on, on a la chance de mener euh, 0-1 ici à Saint-Tron. Je pense que euh, ce n'est pas arrivé souvent. Euh, à domicile en tout cas, quand Saint-Tron joue à domicile. Euh, D'avoir été rejoint comme ça en fin de match, effectivement, c'est une déception, d'autant plus que jusqu'à l'exclusion de, de Didier Ndongala, euh, on, avait, on avait réussi euh, à faire plus ou moins ce qu'on avait préparé, à savoir euh, ne, ne pas donner d'espace dans, dans le don de notre défense à, à Saint-Tron, parce qu'on savait très bien qu'ils excellaient dans ce domaine-là. Euh, ne pas, ne pas <coughs> se laisser aspirer et les laisser repartir en contre comme, euh, comme ils le font d'habitude. Euh, et la plupart des buts qu'ils ont marqués, ils l'ont fait euh, de cette manière-là. Euh, voilà, après, euh, avec l'exclusion de Dendongala, euh, les plans ont, ont légèrement changé et on a malgré tout, euh, en infériorité numérique, euh, fait des changements, en tout cas pour garder un seul 6 et remettre Enes Saglic à l'intérieur pour, euh, pour avoir une meilleure conservation de balles. En étant en infériorité numérique, l'important c'était de garder le ballon. Mais en avançant euh, dans le match, euh, voilà, j'ai estimé qu'il qu était fatigué et qu'il fallait remettre euh, un peu de fraîcheur là, à l'intérieur. On a rejoué avec 2-6. Euh, avec c'est à ce moment-là qu'on reprend un but euh, euh, alors qu'on avait renforcé l'axe euh, de notre ligne médiane. Euh, c'est dommage. Après, euh, venir chercher un point à, à Saint-Tron, je pense que c'est la, la deuxième équipe qui le fait après Ostente. Euh, Saint-Tron est très difficile à jouer chez eux, euh, surtout par rapport à, à cette surface. Et euh, voilà, on est, on est déçu par rapport au déroulement du match, mais je pense que c'est un point qui va faire du bien euh, au mental de l'équipe. Vous auriez pu faire mieux, vous croyez Oui, bien sûr, on peut, on peut toujours faire mieux. À partir du moment où euh, on ne gagne pas et à partir du moment où on prend un but, euh, c'est sûr qu'on aurait pu faire mieux. Et à 1-1 en fin de match, on a eu deux situations euh, euh, de contre-attaque. Euh, la première de David Paulet. Euh, qui frappe juste à côté du, du poteau. Et la deuxième, euh, avec une remontée du ballon de Damien Marc, euh, qui fait le choix de la donner à David. Je pense que le choix aurait été plus judicieux de la donner à, à Amara, qui avait, le but, euh, qui, a, qui avait le but ouvert. On aurait tout aussi bien pu oui. gagner, gagner ce match. Mais bon. Uh, sur la possession de balle, sur les qualités intrinsèques de cette équipe de Saint-Tron et sur uh, cet enthousiasme qu'ils mettent dans, dans leur jeu, je pense, je pense qu'ils méritent leur point aussi. Oui oui. Et quand même vous avez marqué, hein? ça fait ça aussi longtemps. Oui, c'est vrai, j'avais oublié. <laughs> 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 OK. We gaan ook even over naar onze eigen trainer de eerste wedstrijd die je hier thuis heeft geleid Chris, hoe is het voor jou allemaal verlopen Yeah, I think um, mixed emotions. Um, first of all You know, after a two week break, um, after our last game was a loss, you know, to fight back, to fight back after a goal down, after a difficult week for, for the players mentally as well. I think that's a positive to build on. I think that um, Ruben Fernandez coming back into the team, you know, after so many weeks off from his suspension plus the, the two week break from FIFA. I think that's another positive. Um, he lacked maybe a slightly bit of game rhythms, which showed in the first half. But the only way he can get game rhythm is, is by playing again. And I know that once he's on top of his game, it's it's another strength to to our team. Um, another positive would be to build on would be bringing Johan bolli back into the to the side. We all know how important he is. He's a fantastic talent, and brings a new dimension to our game. So so those would, those would be positives to build on. Um, yeah, we at times we uh, gave the ball away, a bit too easy. Um, at times we uh, we left it a bit too much distance. Um, lacked a bit of discipline, especially in the second half when we were we were going for the goal. And after we scored the goal, you know, leaving ourselves um, exposed at the back. But okay, it's uh, it's something that must be worked on, and we must learn to. When we not become emotional with decisions and, and keep rational. Yeah, because you have Yeah, well, I you could say that's a positive because we're putting the ball into the right areas. Um, be more, more worried if we weren't creating chances. So at least we have a base and a platform to work on. Yeah, okay. So on to the next game. You're looking Yeah, definitely. Um, you know, we have we have some players that will play in the reserves tomorrow to to get them some game rhythm. Um, we'll have some players in with the doctors tomorrow, and then from Tuesday, it all starts again. Yeah, Ben you tevreden with that ene point? You'd always like three points, <laughs> but uh, I, I suppose I mean, yeah, try focus on the positives. Yeah, and the supporters have Yeah, I like. think you know it, it's a kind of place that you know the supporters get behind the team once you have a few good actions, and it really lifts the players. And uh, I think the idea I have is, is a one team, one club. Oké, okay, goed. En daar gaan we dus verder op bouwen. Zo, beste Binkies en andere voetballiefhebbers, tot zover deze nabeschouwing hier vanuit de perszaal. Merci beaucoup de votre attention et votre présence. Blijf op de hoogte van het nieuws van STVV via onze website, via Facebook en natuurlijk ook via onze nieuwste eh, appversie. We nodigen jullie ook graag uit voor de volgende thuiswedstrijden. De eerste zal gespeeld worden op woensdagavond, 23 september, voor de Crocky Cup hier, de Limburgse Derby. STVV bochelt en nadien spelen we terug verder in de Jupilair Pro League natuurlijk op zaterdag 3 oktober thuis tegen Waasland-Beveren.